simplement merci de l'exposition de ce temps. Est-ce que vous pourriez me présenter ? Je suis étudiant en deuxième année en mécatronique à l'NCDS à Lorient. Donc on a choisi de participer au concours d'AFIS. À l'origine, on était 4 sur le projet, on est venu à 2. C'est le bien de quoi, finalement, en deuxième année de mécatronique avec les gens. Et c'est votre première année de participation au concours d'AFIS ? En fait, on est obligé de participer en deuxième année à l'école. Parce que les troisième années sont. Enfin, en troisième année, on est obligé de faire des projets industriels. Et qu'est-ce qui vous a poussé à participer à l'expérience du concours robotique ? En fait, on a eu la formation d'ingénierie système dans notre école en première année. Du coup, on voulait en apprendre un peu plus sur l'ingénierie système. Et aussi le fait qu'il y ait une réalisation concrète et qu'à la fin du projet, ça nous a motivé. Et donc, quel est votre ressenti sur l'évolution de l'expérience vis-à-vis du concours robotique ? Entre son début jusqu'à aujourd'hui. Quel est votre ressenti vis-à-vis du concours robotique sur le... Okay. Même on a été un petit peu juste dans le projet. Et du coup, là, sur la phase de test ce matin, ça n'a pas été exactement comme au niveau de la partie automatique. Justement, par rapport aux épreuves ce matin, c'est... L'épreuve, pour l'instant, l'audit de configuration, ça a très bien été. C'est juste sur le suivi de ligne. Bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Bonne journée. Merci.